Salut à tous. J'ai remarqué que vous avez du mal à vous rappeler des modificateurs. Alors, j'ai rassemblé quelques modificateurs dans la même scène. Ici, vous allez voir Turbo Smooth, par exemple. Si j'applique Turbo Smooth sur cette bouteille-là et celle-là, regardez ce que ça fait. J'ajoute une itération. Hop, une deuxième. Et hop. Pour celle-là aussi, j'ajoute une itération. Voilà. Et une deuxième. Voilà. Ça, c'est pour Turbo Smooth. Pour FFD maintenant, je vais essayer FFD2, par exemple. Je vais par exemple sélectionner ces points de contrôle là. Je vais les déplacer en haut, disons une hauteur de 100. Puis je pourrais aussi faire une rotation, un scale aussi. Voilà. Passons maintenant au modificateur shell. Voilà, pour shell je pourrais ajouter une épaisseur inner amount. Voilà, alors l'épaisseur ira dans ce sens-là. Sinon, outer amount. Et quand j'ajoute un segment, je pourrais aussi ajouter un segment. Lattice maintenant. À la base, c'était un objet comme ça. Puis, si vous avez remarqué, lattice. Pour les traits, par exemple, ce sont ces traits-là. En fait, pour le modificateur lattice, ça reprend le maillage de votre objet, remplace les lignes par des lignes, puis l'intersection des lignes par des boules, disons des boules. Revenons ici. Les traits dont je vous ai parlé, ça s'appelle struts. Je pourrais modifier la taille du trait. Voilà. Puis je pourrais ajouter des segments. Pour moi, je n'en ai pas besoin. Sides, ça veut dire de plus en plus cylindrique. Pour les boules dont je vous ai parlé, ça s'appelle joints. Ça pourra être icosa, octa, tétra. Je pourrais aussi changer la taille des boules, ajouter des segments. Voilà. Passons maintenant à taper. Ici, c'est un simple box. J'ai ajouté taper. S'il vous plaît, quand vous cherchez un modificateur, ne cherchez pas comme ça, un par un. Par exemple, pour taper, ça commence par T. Voilà. Vous aurez tous les modificateurs qui commencent par T. Alors, pour taper, nous avons deux paramètres. Amount. Pour moi, j'ai mis cette valeur-là. Et curve. Moi, j'ai choisi une valeur négative. Passons à bind.
comme Ben Denny. Je choisis un angle. Oui, une direction. C'est comme ça que ça marche. N'hésitez pas à essayer d'autres paramètres. Essayez tout. Voilà. Au revoir.